Bonjour les scrapounettes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens vous présenter mon album pour le rangement des ATC. C'est un album qui a été fait pour ranger en tout et pour tout 14 ATC. Voici. Alors il est petit, vous pouvez ajuster les dimensions comme vous voulez, mais moi c'est vrai que ne collectionnant pas les ATC, je les fais juste pour pouvoir mettre celles que je reçois régulièrement. Donc un ATC, c'est une carte, une petite carte qu'on collectionne, dite Artist Trading Card. Elles font 8,9 par 6,4 cm, donc on peut les échanger, on peut les collectionner, on peut faire plein de choses avec. Donc ces petites cartes comme celle-ci m'a été offerte par Aurélie, je la trouve magnifique. Ces petites cartes, derrière on met le nom de la carte, la date à laquelle elle a été faite, par qui, les coordonnées de la personne et une signature manuscrite. Voilà. Elle peut être faite à l'unité, il peut y avoir une série, elles peuvent être identiques ou différentes, c'est au choix. Donc beaucoup les collectionnent, donc pour pouvoir ranger nos ATC, voici ce que je vous propose aujourd'hui. Ce joli petit album, alors il est tout sobre parce que c'est vraiment pour ranger des ATC. Il s'ouvre en quatre, comme ceci. Et à l'intérieur, ce sont des pages accordéon avec des soufflets, tout simplement. Et là, vous retrouvez une petite pochette comme à l'extérieur. La pochette est faite à la dimension d'un ATC, donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, un ATC dedans. Un ATC plat, là. Ici, les ATC, ils pourront avoir du relief parce qu'ils sont faits avec des soufflets. Petit album mini avec 6 pages qui font recto verso, donc à l'intérieur, vous pouvez ranger 6 par ici, 6 par là, 1 par là, 13 et 1 à l'extérieur qui font 14 ATC. Voici ce que je vous propose. Je vous retrouve très prochainement dans le tuto explicatif. Il y aura 2 vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!